Luc Breton, je choisis de te lancer le prochain défi. Nous expliquer comment créer son mot de passe Mobile Connect pour télécharger Apps at Work, l'App Store mobile des salariés, le tout à la manière d'un commentateur sportif. Bonjour à tous. Laurent veut absolument savoir comment créer son mot de passe Mobile Connect pour utiliser Apps at Work, le tout avec des termes sportifs. Alors c'est parti pour le sprint. Alors pour gagner le premier set, inscrivez-vous à Mobile Connect sur 100% pratique avec votre numéro de téléphone professionnel. Poursuivez votre effort en prouvant que vous n'êtes pas un robot ou un distributeur de balles automatiques. Et là, c'est une passe décisive. Vous devez accepter les CGU Mobile Connect qui s'installent alors sur votre téléphone. Ensuite, bref arrêt de jeu, vous recevez un SMS qui vous confirme que l'installation est réussie. Fin de la première mi-temps, vous êtes en forme pour choisir votre code secret Mobile Connect à 4 chiffres. But ! Ça y est Laurent, tu es inscrit, mais attention ! Si vous oubliez les 4 petits chiffres de votre code secret, c'est direction le banc de touche pendant 24 heures. Et oui, c'est le temps nécessaire avant d'être autorisé à réinitialiser son code secret. D'ailleurs, l'un d'entre vous sait-il expliquer comment le réinitialiser ? Je vous laisse 5 minutes de temps additionnel pour la réponse. Les chronos sont lancés ! Sachez qu'on joue les prolongations en proposant également Mobile Connect à nos clients. Fin de l'épreuve, Philippe Trimborn, pour la prochaine mi-temps de Dépanne-moi si tu peux, tu devras refaire le match en expliquant comment se connecter au SI de l'entreprise grâce au partage de connexion de son smartphone en mode zen attitude. La balle est dans ton camp. À toi Philippe.